Bonjour à tous. Après une petite semaine de vacances, je reprends le Let's Play. J'ai modifié quelques petites choses que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà, d'abord suivre Monsieur Dan, parce que je voudrais qu'il n'oublie pas de me prendre ce qu'il va récupérer de ce petit vaisseau. Voilà, tu vas me prendre ceci et il n'y en a pas d'autre. Et ici. Allez, montre-moi ça. Voilà, prends-moi ceci. Bien, merci monsieur. Ensuite, tu vas modifier. Ok, tout le monde est bien mis, c'est parfait. Alors, on va creuser un petit peu ici. Par après, on va enlever aussi tous les murs. Ça sert à rien. J'ai étudié un petit peu la thermodynamique du jeu. Et j'ai appris pas mal de choses intéressantes. On va également déplacer normalement tout ceci. On les mettra, donc tous les climatiseurs, on les mettra là. J'ai modifié les zones des animaux pour qu'ils ne puissent plus sortir. Plus loin que cette région qu'on avait ici, et la petite région qu'on a ici pour quand il y a un, comment vais-je dire, quand il y a un marchand. J'ai également créé une zone spécifique pour notre ami Libellule, qui compte ses cases-ci, et qui ne pourra. Il y a quelqu'un qui pourra y aller, dans ces trois cases-là, pour construire des choses avec qualité. Voilà. On va pouvoir éteindre ceci. Libellule, tu me prendras aussi ton flingue quand tu te réveilles. Ils ont abandonné, c'est parfait. Donc quand tu as fini, tu dors, tu reprendras ça. Ok. Alors, j'ai Sky qui vient d'être, à mon avis. Pardon, excusez-moi. Donc nous avons Sky qui est maintenant prisonnière avec recruté. Il reste 1,4, donc je vais laisser uniquement le chauve pour le faire, pour la descendre à zéro tout de suite. Et on finira le travail avec Dan, puisqu'il a 25 en moins pour d'esthétique. Et donc, comme ça permettra à Dan d'avoir une petite chance avec cette demoiselle-là. Ok, maintenant on a Decker qui doit manger. On va le laisser finir et on part avec lui. On part avec lui. Voilà, Decker, tu as terminé. Tu vas pas abattre le dromadaire tout de suite. Tu vas d'abord aller dans le monde et me faire une petite caravane ici, vite fait, bien fait. Former une. Pardon, excusez-moi, j'ai tout à fait mal choisi mon truc. Voilà. Former une caravane. Choisir le trajet. Tu veux d'abord quelqu'un. Ok, donc c'est Decker. Et tu vas aller avec le dromadaire juvénile. Ça sera suffisant. Choisir le trajet ici. Et on fait accepter. Parfait. Confirmer. Voilà. On peut revenir par ici. Donc lui, il va s'occuper de ça. Ok, il y a des gens qui vont me transporter quelques petites choses. Et je voudrais surtout, d'ailleurs, que tu me prennes. Ah ouais, anarchiste. Ok, parfait. Donc je fais des. Pourquoi est-ce que je mets un toit? Ben pour ralentir. Pour ralentir tout le monde. Alors, Libellule, tu construis un toit. J'ai peut-être été un peu loin pour les toits là. Hein on va revenir ici en arrière parce que je n'ai pas du tout envie que tu me fasses un toit là, ma belle. Zone à ciel ouvert, voilà. Parfait. Et donc, Libellule, tu construis un toit là, ça ne me dérange pas. Ok. Donc j'ai fait plein de nouveaux pièges. Le chauve est occupé. Ah, voilà, il est passé à zéro. Maintenant je repasse dans mon travail pour le chauve et je lui enlève
ici. Et je veux que ce soit Dan qui s'en occupe. Et on remettra ça correctement après. Voilà. Alors il est entré. Non, il a reçu l'ordre de rentrer, donc il est parti. C'est parfait. J'ai demandé à creuser ici. Je vous l'ai dit, je crois. Ouh ! Le cadeau. Alors là, ça c'est un joli cadeau. Ça c'est un joli cadeau. On va le faire un petit peu après, on n'est pas apprécié tout de suite. Ah oui, ça c'est un très joli cadeau. Je dois au moins en avoir 20 par truc, hein, si je me rappelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à peu près. Ça fait à peu près 280 places d'acier. Là, je suis tranquille pour un bon bout de temps. Je ne vais pas devoir en acheter. Et ça, ça me plaît énormément. Tu fais de la relaxation. Je t'ai demandé de me faire de nouveau ça. J'en ai besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin ? Une... Oh, mais ça n'arrête plus, les enfants. C'est quoi ça ? Des feuilles de psychoïde. Ok, on va les prendre. Ça pèse pas lourd. Ça ne doit pas peser lourd, hein, ça ? Non, hein. Alors, ça pèse 003. Aucun problème. On peut les prendre avec nous dès que Decker sera arrivé. Mais il n'est pas encore là. Mais c'est bien, ça. C'est très bien. Dromadaire 3 a donné naissance. Animaux, dromadaire 3. C'est toi. T'es morte. Au revoir. C'est fini. Alors, je voudrais que Libellule me fasse quelques petites choses. Ah ouais, alors j'ai mis une chaise. Mon Dieu, ça ne s'arrête plus là. Hein. Donc, j'ai mis demander des chaises ici pour jouer à ça. Même chose, j'ai mis deux chaises ici pour y jouer. J'ai laissé que deux chaises là pour l'instant. Ça, je vois un peu plus clair, j'ai de l'espace, c'est bon. Donc la caravane est arrivée. On va demander à monsieur Decker de ramasser tout ce qu'il faut. Il y a 227 là. On va vérifier où ça se trouve, je ne sais plus. Où est-ce qu'on a vu ça ? J'ai aussi un petit peu d'acier qui traîne là. Est-ce qu'il y a une zone ici? Ok, comme ça elle est dans la zone. Et je cherche après. Ici. Mais c'est génial, c'est génial. Ok, on peut faire tout de suite le monde. La caravane. Former une caravane, Decker et le petit. Choisir un trajet ici. On accepte, on prend comme article. Je veux. On va d'abord prendre l'uranium, les psychoïdes, l'agent bionique et la glande durcissante. Et on prend le maximum. Est-ce que je peux prendre tout l'acier ? Je peux prendre tout l'acier, et bon, on est bien. Un début d'acier, ça sera de trop, on accepte et on le laisse finir. Comment ça, tu crèves de faim? Non, tu crèves pas de faim. Peut-être bien que celui-là, il crève de faim. Non, même pas. Ok. Alors, on a du psychoïde, mais ça tombe bien. Je vais justement mon petit laboratoire ici. Par contre, je voudrais que Libellule, tu t'occupes, tu fais des portes en ardoise. J'ai demandé aussi des portes en ardoise, des portes ici. Comment ça, porte en ardoise? Où ça, porte en ardoise? C'est trop tard. Ça, c'est bien du... Là, j'ai pas de porte. D'accord, il faut que je fasse tout de suite mes portes en acier, cette fois-ci. Voilà. Alors, on a Sky qui est arrivé. Sky qui est arrivé, c'est génial ça. Déjà dans le planning, on va te mettre comme tout le monde. Vous voyez que j'ai un tout petit peu modifié. J'étais pas trop content de ce que j'avais avant. Donc, on réessaye ceci. Pardon, Sky, tu prends également tout.
Et je vais faire les assignations, pas de drogue, si c'est de la pénoxycilline pour toi. Et tu vas rester un petit peu au raffiné parce que tu n'es pas en bonne santé. Et tu vas être en ouvrier. Pour l'instant, quand tu seras guéri, on te mettra en mêlée. Je fais le travail et je vous reprends tout de suite. Voilà, on est reparti. J'ai changé, j'ai remis la chambre ici pour Sky. J'ai fait déménager ces petites choses-là. Voilà, elle est occupée de s'habiller. Elle n'est pas en très bonne santé, hein, comme on peut le voir. On va... quelle heure est-il? Il est 16h. Il faut que je l'amène au pieu. Sky, tu vas venir à 16h. Tu vas venir ici au lit. Pour l'instant, note que tu es en libre, donc tu devras aller dormir. Il n'y a pas besoin de me préoccuper. Elle mange un plat raffiné, ça va déjà lui remonter un petit peu le moral. Elle a bouffé. Ok. Ça, on s'en fout totalement. Ensuite, on attend que Maker ait terminé ce petit travail-là. Ici, il faut qu'il vienne un petit peu me faire du travail aussi. Libellule, tout ça, c'est bon. Donc, je ferme la salle ici, ben, parce que sinon, j'ai du sang partout. Hein, puisque quand on tue les animaux, on les faisait là. Donc, je préfère les mettre par ici. Une petite lumière, bien sûr, comme ça ici il aura une salle un peu plus propre pour lui. Il sera un peu plus heureux grâce à ça. Ok, j'ai demandé aussi à ramener donc tout ce qui était ici. Et normalement, je pense que Bud, non pas Bud, ah oui, je vous ai pas dit non plus, j'ai modifié plein de trucs. Donc je n'aurai plus des patates, que des patates dans ce qui est dans tout ça. Patates et arbres. Arbres où je peux, partout où je peux, où ça ne gêne pas pour ceci. Patates où ça gêne, pour les éoliennes. Ça, ça va disparaître, ça va devenir des patates. Donc comme vous voyez là, j'ai un petit peu modifié. La caravane est arrivée, donc on reprend assignation, non, planning. D'équerre, t'en es où? T'es là, ok. Les animaux... Ils sont tous... Ok, ils restent sur place, c'est parfait. Où es-tu, monsieur Decker? Parce que tu vas me transporter quelque chose en revenant. Tu es là-bas. Ok, prends-moi ça. Et voilà. Donc, on va avoir pas mal de boulot pour remettre tout ceci, hein, bien sûr. Risque de démence. Alors un colon a besoin de soins. Sky, donc ça c'est vache qui va, c'est ma meilleure. Sky, tu as quoi comme ici? Merde, allez, fais moi quelque chose de bien tout de suite, comme ça j'ai la paix. Voilà, libellule de guerre. Ouh, il va falloir que tu ailles au pied après. Donc l'avantage du temps libre, c'est s'ils sont vraiment fatigués, ben ils iront dans tous les cas. Tu vois, elle se repose. Ouais, tu vas me dire, elle est dans le truc de dormir, mais bon. Ok, je crois que j'ai reçu une... Ma caravane est arrivée, ou pas. Où est-ce qu'il est, mon... T'es là. Bon, on va le prendre par ici. Juvénile, où es-tu? Alt, tac. Et comme ça, je peux te virer l'uranium. Ok. Alors, libellule, je voudrais que tu me fasses ceci. Et ensuite, tu me feras ça.
Ok, on a notre colonne vertébrale. Alors, on en est où? On a 17 ici. J'ai un peu trop de trucs ici. Donc, on va un petit peu fermer ceci. On va rouvrir celui-ci. Maker, tu vas t'en occuper. Et on te remet en route. Voilà, tu déchiquettes. Donc, est-ce que le lit est fait? Non, libellule est occupée. Merci, mademoiselle. Libellule, tu me fais quoi? Tu manges et après tu reviens ici. Wow, ça fait vraiment plaisir. Mais alors, vraiment très, très, très plaisir. Mais on va pas les prendre tout de suite parce que ça coûte très cher. Et donc, si je m'amène, je sais plus, moi, plus de 200 là, peut-être. Ah, il y a un plant de pomme de terre qui a pourri. C'est sympa, ça. Il y en a d'autres qui vont pourrir comme ça. C'est quelque chose, hein. Mes trucs qui pourrissent. Bon, là, ça m'a l'air d'être bon, tout ça. Ça pourrit aussi. Allez, hop, on y va. Architecte, ordre. J'ai pas envie de tout perdre bêtement. Récolter. Allez, on roule. Ça. Hop. On roule. Allez, c'est la même chose pour toi. Ici aussi. Et celui-ci aussi. Allez. Alors, la récolte est bien entendu extrêmement haute chez moi, c'est numéro 2, je crois. C'est un peu haute des priorités que j'ai, hein, de toute façon. Maker. Oh, ça c'est sympa aussi. Il y a plus de. Ah, que ça va vite ce truc. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça va? Donc là, on a fini. Qu'est-ce que j'ai mis comme tâche ici que je pourrais faire? J'ai rajouté une deuxième fois du ceci, ça sera pour libellule, mais pas pour le moment, parce qu'elle n'est pas encore suffisamment bonne. Quand, eh ben, on va lui mettre sa colonne vertébrale, d'ailleurs, tout de suite. Bouclier d'énergie, tout ça, tout ça, tout ça, pour le moment, on va oublier et on va relancer la machine ici. Et je veux que tu me refasses d'abord les composants avancés, ensuite les composants. Ouais, fais-moi ça comme ça, mon ami. Je l'ai rouvert, hein? Ok. Faut pas traîner un parce que lui, il perd, hein? Voilà. On est parti se reposer. Mais comme je disais, il perd très vite parce qu'il n'a que un en flamme. Et quand tu as 20, ça descend à une vitesse dingue. Ok, on commence à couper ici, c'est bien. Faut que j'améliore aussi mes zones pour les herbivores. On va mettre comme ceci. Et même chose pour les herbivores intramuros. Et les herbivores in. Voilà. On fera également ici. Dès que ça sera tombé. Mais. Voilà. On est pas mal avancé. Celle qu'est-ce qui est. Est-ce que mon âne. Mon anneau. Non, il n'est pas encore prêt, l'anneau.
Ah non, il n'est pas prêt, notre anneau. Allez. Bon, notre siège est-il correct, mademoiselle? Excellent, je vous remercie. Installez-moi ça ici, s'il vous plaît. Et c'est Vache qui va s'en occuper. Comme ça, je peux lancer un petit peu de pénoxycilline. Alors, ici, c'est le chauve qui est le meilleur au niveau des médicaments et donc de la pénicilline aussi et de tout le reste, quoi. Tout ça, c'est le chauve qui est le meilleur. Donc, on va lancer ça par, je veux que ce soit le chauve. Ta porte à commerce. Pour le moment, ça va être là qu'on va le mettre à commerce. Et je veux que tu me fasses ça en boucle, non, jusqu'à en avoir. J'en veux 4 en tout. Voilà, du moment que tu en as 4, c'est bon. Et puis tu vas arrêter quand tu es satisfait, quand tu en auras plus que 1. Mettons. Voilà, quand tu en auras plus que 1, c'est parfait. Rayon de recherche en 10 minutes toujours, ce truc-là. Hein. Ça, c'est dans tous les cas. Voilà, la tâche est faite. Ensuite, il faut que je relance aussi ceci par après. Alors, nous avons nos portes ici. Donc celle-là, on va la laisser fermer, on va la laisser fermer, on va la laisser celle-là ouverte. On va regarder comment il passe. Voilà, il passe par là. Et donc, on pourra mettre quelqu'un. On verra après. Un petit instant. Qu'est-ce que nous avons de joli cette fois-ci? J'en ai absolument pas besoin. Mais bon, en plus c'est trop loin pour que j'aille chercher ça. Il y en a combien? 200? Non, ça vaut pas la peine. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Enlevez-moi ça, les gars. Agrandissez la zone jusqu'ici. Et cette zone-ci jusqu'ici. Ensuite, pas trop vite pour moi pour le moment. Un petit instant, mes enfants. Voilà. Comme ça, j'ai un peu plus de viande. Parce que normalement, je ne dois pas en avoir ici. C'est pas logique qu'ils en mettent quand même, mais. Bah, il ne devrait pas y en avoir. Mais il y en a quand même, c'est bien. C'est pas grave. On continue. Capsule de car. Dites donc, j'en ai des cadeaux, moi. Sauf que. Qu'est-ce que c'est? Oh, les petits gars. Les petits gars. 96. Un manteau en diable étoffe. Bien. Alors, il faut que j'autorise. Mes herbivores à venir jusqu'ici et également mes carnivores. Et on enlèvera ça après, bien entendu. Ouais, on fera ça après. Ok. Ça, c'est très très bien. Ensuite, on va récupérer ceci également. Pas tout de suite. Puisque je veux d'abord que les animaux aillent en bas me chercher mon diable étoffe. Celui-ci, on va pour le moment l'éteindre. Ici, tout mais on va les désinstaller. Et quand on aura de la place, on en refera quelques-uns. Qu'est-ce qu'il me reste comme pierre? Pas des tonnes, hein, mais on va les miner pour récupérer tout ça. Eh bien, voilà. Je suis assez content pour le moment du système du planning, hein, du système de travail des gens. Ça me semble pas mal du tout.
Caravane arrivée, ça on peut virer. Dan a demandé à Sky, je sais plus. Dan a demandé à Sky. Dan a demandé à Sky. J'ai pas vu. Vous me direz ce que c'était. Donc Sky, Dan avec Sky. Bavardage et Sky. Sky et Dan. M'a recruté, oui. Bavardage. Il a crié. Ah, j'ai pas vu ce que c'était. Ça, c'est dommage. Bah, généralement, il demande à Sky, c'est. Attends, Dan, tes besoins. Je sais pas. Bon, j'ai besoin de quelques ardoises excellentes et bonnes. Ok. Toi, tu viens ici chez Sky. Voilà. Il m'en faut encore. Et voilà, ils m'ont ramené tout. C'est génial. Ah, c'est le chauve et Dan qui ont été. C'est pas grave. Patientez un peu. Bon, ils m'ont coupé les murs, vous pouvez le voir. Ils m'ont coupé les murs et ma température est toujours bonne. Nous sommes à moins 10, moins 3 basses, moins 4 basses et moins 9 hautes. Bon, on va. J'ai quoi? J'en ai 7. Ok, on va commencer à faire ça parce qu'il fait pas, il fait pas mauvais dehors. Donc je veux que vous me, pas miniez, vous me démolissiez 1, 2, 3, 4. Vous me démolissez ça et vous me minez ceci. Ok. Tu fais, t'es pas mauvais en minage. Ouais, fais-moi ça. Bon, on va pouvoir travailler aussi un petit peu le des nouveaux manteaux. Dès que Maker est suffisamment bon, pas encore. 1987, c'est pas assez, il faut un peu plus. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait des plats? Bon, il faut se dire aussi que les colons y réfléchissent, mais ils réfléchissent pas à la au tic près, comme on dit, à la seconde près. Donc, s'ils sont occupés de faire quelque chose et qu'il y a autre chose qui est arrivée, bon ben ils ne le font pas après. Alors, on a de nouveau deux comme ça. Des blancs, j'en ai plus trop. Donc on va désinstaller, on va créer des nouvelles sécurités, mais je veux que ce soit cette fois-ci en ardoise. Ok. Alors, libellule, tu m'as tout construit, ma belle. Bon, ici on va faire autrement maintenant. On va copier ça.
Pourquoi je fais ça? Parce que le trou qui est ici est chaud et ça n'a que c'est pas intéressant. Il vaut mieux le travailler comme ceci, si vous en avez bien entendu l'occasion. Et il faut absolument que je fasse une chose, c'est dans les zones, étendre la zone à ciel ouvert. On va l'étendre sur deux cases seulement. Voilà, ça sera suffisant. Si je regarde ici, je suis à l'intérieur, donc il me faut de la zone à ciel ouvert ici. Et on va prendre la première personne qui se présente près de chez nous. Comme par exemple Decker, tu vas venir ici et tu vas me supprimer un toit et me supprimer un deuxième toit. Libellule, voilà, Libellule. Ok. Est-ce que j'ai mis la colonne vertébrale à notre ami? C'est une bonne question, hein? Ben non. Colonne vertébrale. Ah ouais, on va la laisser finir. Et on lui mettra la colonne vertébrale après. Parce que sinon, on va être un petit peu trop chaud, là. Vous voyez que même à ciel ouvert avec 2, je reste en négatif. Alors, on a une protection des nobles. Ah, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça va être? 3 étoiles. J'ai besoin d'une chambre libre qui satisfait à la duchesse. Chef-d'œuvre, place d'acier. Outpost, mais c'est pas vrai quoi, il se fout de moi. Non. Bon, tant pis. Ah, quel dommage. Quel dommage. Donc, le but ici, c'est de vous montrer que si vous laissez des toits, 10% des toits, pardon, 90%, vous devez avoir des toits, vous pouvez laisser 10% d'ouvert à l'extérieur. Et ça sera toujours considéré à l'intérieur. Ça, à ciel ouvert, mais à l'intérieur quand même. Et c'est important. Parce qu'on va utiliser cette petite pratique ici. On va creuser un peu plus long ici, nous autres. On va avoir une grande pièce ici à l'arrière et n'ouvrir le toit que sur 10%. Donc il va me falloir une très grande pièce, hein, bien entendu. Et ce qui me permettra de ne pas utiliser la lampe tout de suite. D'ailleurs, on va remettre peut-être le chauffe. La recherche, on en est où? Attends, là, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. La recherche, elle est en cours. Donc logiquement, monsieur le chauve, vous allez m'en refaire un peu. Là, Libellule, que me fais-tu? Tu dors. J'ai besoin que tu me finisses. Tu vas me faire ça même. Et il me faut, ici je dois avoir un trou ou pas. Ouais, ici j'ai un trou, donc il faut que je refasse le toit. Normalement il devrait être fait. Et ça n'avance pas parce que j'ai pas mis le doigt sur l'espace. Voilà, mademoiselle Libellule. Fais-moi d'abord le toit.
et puis comme ça tu me fais tout le reste. Donc toi tu descends mon petit gars bien entendu à moins 9, toi à moins 9 aussi, et on est toujours bon. Elle est partie chercher le reste. Ben, je crois. Non, on n'a pas fini. Allez, continue ma biche, je suis désolé, mais non, c'est important pour moi. Ensuite, on peut agrandir un petit peu maintenant cette zone ici. Que nous allons repasser comme ceci. Et nous voudrions que les animaux. Allez, un autre drone, j'espère que cette fois-ci, on va être tranquille avec quelque chose de bien. Donc, je disais, dans les zones, je veux ça, herbivore. Non, c'est pas herbivore, c'est carnivore. Carnivore, tu peux venir. On va te prendre quand même comme tout ça. Carnivore in ou Atramros, c'est la même chose. Bon, même s'il bouffe un petit coup, c'est. Je vais pas me prendre les pieds avec la tête avec ça. Et carnivore in, même chose. Ensuite, je veux que les herbivores ne puissent pas venir ici. Je ne veux pas d'herbivore intramuros ici non plus, et je ne veux pas de herbivore in non plus. Bien. Ouais, ben ça va. Ça va. Alors, tout le monde ici est à moins 9. Pas vraiment, non. Ça me devrait. Mais je. 9. On va te mettre à moins 3. Et toi à moins 3, à moins 4. Voilà. Donc moins 4, moins 3, moins 9, moins 9. Les toits ouverts 2. Et pas de toit, c'est parfait. Ok, donc tu m'as dit que tu avais donc ça on vire, ça je le garde, ça. Alors c'est quoi? 3 étoiles de nouveau aussi. Les doubles en place assis, qu'est-ce que je vais dire? Piano jeuneur. Jean-Marc Otec, oh! Et une pierre d'animus. Il y a deux choses qui sont très intéressantes, il y a ça et il y a ça. Alors la pierre d'animus. Cliquez pour plus d'informations, mais il me donne pas plus d'informations. Ah, mais l'agent Barcotec, waouh. Et la pierre d'Animus. Bon, le problème, c'est que je sais pas. Bon, déjà, Nexus parallèle, c'est ok. On va déjà voir ce que c'est. Alors, leur chef, conscience pas d'accepter. Ok. La conscience vous punira et un drone psychique moyen affectera la zone autour de Nexus pendant 7 jours 7, poussant toutes les personnes du sexe mâle vers la folie. Drone psychique moyen, c'est moins 20, moins 22, moins 20 ou moins 22. J'ai deux casques pour les mecs, j'ai combien de mecs maintenant? 3, 4, 5, j'ai 6 mecs. J'ai 6 mecs. Mais j'ai des gens, ils sont en bonne santé. Pour le moment, il faut dire qu'ils ont une onde psychique sur les mâles. L'onde psychique est de combien pour l'instant? Bon, ça... Ça part dans un jour. Elle ne donne que 3 points. Non. Ah oui, mais toi, t'es... Oui, toi, t'as pas besoin de ça en plus. Prenons plutôt le chauve.
Encore 15 jours là pour Coleman. Et Winnell, j'ai quand même une onde psychique apaisante. Où est-ce qu'elle est? Il devrait l'avoir. Ah, c'est pour les femelles? Non, c'est pour les mâles, hein? Dame. Qu'est-ce qu'elle est, mon onde psychique? Apaisement psychique. Ah! C'est 16 points. Bah. Qu'est-ce que je fais, les enfants? 7 jours. Moins 20 points dans le nez. Mais le cadeau est quand même... Le cadeau est bien. Soit la pierre d'animus. Mais je vais la mettre où? Je vais la mettre quelque part. Et en plus, ils peuvent pas, les étrangers ne la voient pas. Ma pierre d'animus. Écoutez, je regarde vite sur le wiki et je vous reprends. Ok, bon ben je viens d'aller regarder. La pierre d'animus ne m'intéresse pas. Il n'y a que l'arbre d'animus qui vous permet d'augmenter d'obtenir de nouvelles. De nouveaux. Comment vais-je dire ça? D'obtenir de nouveaux. Voilà, de nouveaux types de pouvoirs psychiques. L'anima pierre. C'est la même chose que ça, quoi. En mieux, mais c'est la même chose que ça. Et donc, je n'ai pas du tout envie d'avoir ça. Ensuite, mais qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Et donc, on va prendre ceci. Pendant 7 jours 7. On va accepter. Voilà. Et on va regarder ce que ça va nous donner au niveau des bidules. Et voilà, drone psychique moyen 11, ça va. Donc on va prendre les personnes qui sont les moins bonnes. Déjà, toi, tu vas venir ici, comme ça je vois que j'ai toutes mes femmes là-bas. Dame, c'est toi qui souffres le plus. Donc tu sèmes, et puis après tu vas revenir te prendre un petit casque. Voilà. Ensuite, qui est-ce qu'on a d'autre? Green, le chauve, tout cela supporte bien. Toi, comment ça se fait que tu supportes si bien que ça? Ah ouais, ça va diminuer. Les capsules sont arrivées. En tout cas, c'est pas mal. Drone psychique moyen, toi par contre aussi, tu vas te prendre le deuxième. Dès que tu as terminé, voilà. Alors, on a reçu nos cadeaux. Et ça, c'est très sympathique. Une jambe arcothèque, les enfants. On va pas la mettre tout de suite. On va attendre de voir qui est-ce qui va se faire avoir. Hein. Ça tombe bien qu'on ait ça, mais bon, ça va pas durer longtemps non plus. Hein. Alors, les médicaments se font rares. Est-ce que tu nous as fait de la pénoxicilline? Voilà, j'en ai 4. Donc, c'est parfait. On est bien reparti. Maker, tu continues à me faire ça. Ok. Un colon a besoin de soins. C'est Sky. Où est-ce que tu en es dans ta santé? Ok, ben Sky, tu vas aller tout de suite. Ben, normalement, elle doit y aller d'office. On va regarder si j'ai bien réglé mon truc ou pas. Donc, Sky, t'es où? T'es au lit, c'est bien. Vache, tu vas t'occuper de Sky qui veut un médicament. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, bon,
Comment vit-on ici dedans? On est à moins 7. J'agrandis la pièce, hein, attention. Alors, l'avant, plus la pièce est grande, moins vite elle va se réchauffer. Ou vice-versa, suivant ce que vous avez besoin, bien entendu. Hein. Alors, on a quelqu'un qui est inactif pour l'instant. Libellule, je n'aime pas quand tu es inactive. Déjà, on va faire ceci. Alors, je vais maintenant ouvrir. Et Libellule va s'en occuper. Voilà, la fonderie, on va un petit peu enlever tous nos vieux bidules qui étaient là, on va enlever les armes, etc. Ok, ils ont tous pas mal de boulot. Hop, 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 hop. Hop, voilà, excusez-moi. Tout ça, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'on a déjà commencé à porter des trucs? Non. Donc, on a pesant drone psychique. Tac. Besoin d'un lieu de méditation, c'est parce que Dan est dedans. Alors Dan, je ne sais pas ce que tu fais là, tu n'as plus besoin d'y être. Et tout le monde fait dodo. L'onde psychique s'est arrêtée, et donc là, ça va commencer à picoter un petit peu plus. Ça va. Non, psychique, moyen. Oui, parce que tu n'as que ça, bien sûr. Mais toi, par contre, anarchiste, ça va. Ça, c'est le gros avantage d'avoir joué un gros moral pour tout le monde. Alors, on va relancer. Allez. Et on va en construire encore quelques-uns. Qu'est-ce qu'il me reste comme pierre? Il me reste plus que des pierres blanches. Donc, on va se faire quelques pierres blanches. En calcaire. Voilà, ça va commencer à bien se remplir ici. Parfait, donc on va commencer à les installer. Voilà. Eh bien, ça va être Sky qui va s'occuper de nous faire tout ça. Donc, je le stoppe ici pour l'instant. Comme j'en ai beaucoup à faire à la fois. Vous m'en excuserez. Je ferai une petite ellipse. Voilà, donc je continue. Vous voyez ici, je les ai tous placés. Et par contre, je vais demander d'interdire la porte ici pour l'instant. Pourquoi? Parce que je vois qu'elle va me faire le tour. Elle a trouvé que c'était plus rapide par là, hein, mais donc je n'ai pas envie qu'elle fasse tout le tour. C'est à cause que il fait noir aussi. Hein. Donc Sky, pour le moment, tu me fais les pièges, oui. Et je sais plus où j'en suis. On va déjà aller voir. Et donc je lui fais faire les uns après les autres. Sauf que Bud, je veux pas que tu me fasses ça. Je ne veux pas que tu me fasses ça, mon petit Bud, ma petite Bud. Tu viens. Qu'est-ce que tu vas faire? On va commencer à creuser de nouveau. Architecte ordre. On va miner. Un mur de mur. C'est ça que je veux faire, j'ai besoin. Je vais refaire une plantation.
Donc je veux 2 d'écart. 1, 2, minimum, plus l'entrée, bien sûr. Il me faut 13. Donc, il me faut 13 avec un espace ici de 1, 2, 3, ça serait pas mal. Et donc, je pourrais faire du 13. Si je le fais comme ceci, bah je me remettrai à mur. Hein. Je me remettrai à mur. Et on va pouvoir rentrer par ici. Voilà. Et on pourra également rentrer ici directement aussi, mais on va ne pas le faire tout de suite. Donc là, je ne suis qu'à moins 3. Parce que c'est nettement plus grand. Et donc on agrandira encore le frigo et on mettra un truc comme ça en plus. Donc j'ai aussi besoin qu'on vienne miner ici et démolir ceci. Ok. Bud. Attention à toi, Bud. Viens. À faire ça. Tu peux pas. Ici alors. Ça c'est parce que je n'ai pas fini Sky complètement. Donc ma petite Sky. Bah je m'en serais douté. Hein. Comment vais-je faire? Est-ce que tu as le droit de nettoyer, toi? Je ne sais plus. Oui. Viens nettoyer. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas eu fini avec Sky. Donc Sky, pour le moment, tu me fais juste celui-là. Et donc, Sky, après... Tu me fais ça, ça, ça. Comme ça, les autres pourront pas l'apporter. Il faudrait que je n'autorise qu'elle ou que j'ai fait tout en une fois, tu vois, ça c'est le problème quoi. C'est ça le problème que j'ai. Pas quand même surveiller tout simplement. Hein. Alors. Ouais, on va le faire comme ça. Je suis pas embêté avec Grizzly. Alors, si vous avez peur, on s'en fout, la viande d'écureuil dans le stockage. Oui, ça c'est dans l'autre pièce. Hein. Risque de démence mineure pour Sky. Oui, c'est parce qu'elle est dans le noir ici et dans un endroit pas joli du tout.
Mais bon, on va laisser d'abord finir, c'est pas grave. Tant pis. On mettra quelqu'un d'autre pour finir. Ok, Sky. Un instant. On va autoriser quelques secondes les plats raffinés. Et donc, Sky, ma chérie. Et voilà. Parfait. Donc, on peut continuer maintenant. Et celui-là, on le mettra à la fin. Aussi, je dois modifier les zones des animaux. Je vais modifier carnivore. C'était les petits endroits que j'avais laissés pour récupérer les, comment vais-je dire, les cadavres mécanoïdes. Ensuite, on retire à tout. On retire chez tout. Donc quand ils seront tous terminés là, on rouvrira la porte au-dessus pour aller porter le restant. On a fini le diable d'eau. Je vais également travailler les tourelles automatisées. Après, on fera le raffinage aussi. Pourquoi les tourelles automatisées, même si je ne vais pas les utiliser. Enfin, je vais en utiliser sans les mettre en route. Elles vont servir normalement, même si la tourelle ne fonctionne pas. Dans le temps, c'était comme ça. Maintenant, ça a peut-être changé. Qu'est-ce qui va se passer? Les grenadiers, enfin les grenadiers et les gens qui viennent creuser les murs évitent de passer vers une tourelle, dans la zone d'une tourelle. Et donc en plaçant une tourelle par exemple ici, eh ben, ça va les empêcher de venir là. Si j'en mets une ici, ça sera la même chose, ils ne vont pas essayer de creuser là si vous. Et je pourrais également en mettre une, je ne sais pas, moi, dans ce coin-ci, par exemple, pour être tranquille. Par contre, là, on va recreuser tout ça pour les attendre comme on les attend ici. On va refaire la même chose là. Hein. Alors, il me reste quoi? Il m'en reste deux. Installer ici. Et puis, il n'y en aura plus qu'un. C'est un anarchiste qui s'y colle. Et... on met le petit dernier ici, anarchiste. Voilà. Ensuite, maintenant pour l'instant, je vais fermer cette porte-ci. Je vais d'ailleurs demander à notre ami de venir là. Tu reprends tes affaires courantes, mon ami, et on va rouvrir la porte ici au-dessus. Pas tout de suite, on va attendre d'abord d'avoir suffisamment de pièges à nouveau. Il me faut maintenant encore un minimum de 9 pièges, il me faut encore, mais je n'ai plus de pierres, je crois, mais j'en avoir bientôt à nouveau puisqu'on a ceci. On va autoriser les animaux à venir dans ici, dans tout ceci. On va autoriser également les autres, les carnivores, pour le moment venir ici. C'est déjà fait. Comme ça, ils iront me transporter
Alors, qu'est-ce qu'on récupère comme pierre dans ce coin-ci? Ce sont des pierres. Ben, c'est de l'ardoise. Ok, donc on peut faire des pièges en ardoise. À l'instant, l'onde apaisante s'est arrêtée. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Plus 2 là-bas, ça me fera mes 9. Dan est toujours occupé de faire son petit travail. Eh bien, c'est pas mal. On tient le coup au niveau du psychique. Bon, il faudrait pas un truc de la deuxième qui viendrait nous embêter, mais jusque-là, tout va bien. Donc, on a fait le diable d'eau. Dès que ceci a fini, on lancera notre système. On a beaucoup de travail, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Alors, le chauffe, tu vas modifier un petit peu ton psy-focus. Vous voyez, on met l'état 50 et je l'ai descendu à 25. Pourquoi? Ben parce que ça ne me sert pas à grand-chose, le truc qu'il a pour le moment, donc je vois pas l'intérêt de continuer. Par contre, c'est embêtant qu'il continue à faire du. Une fois qu'ils sont bons, normalement, il est à 100%, il devrait s'arrêter en plaisir. Je vais peut-être péter une lampe, moi, quand même, ici, hein? Non? Mettre une lampe, hein? Je suis pas un peu idiot, autrement, hein? Sky, t'es pas au lit encore, toi. Bah, viens vite me faire ça. Donc, même si vous avez un trou là, ça ne change rien. Vous êtes quand même à l'intérieur. Voyez? Ça, c'est pas un trou. Vous n'avez pas besoin d'un double mur. Je dirais même ici, vous pouvez couper celui-là, ça ne changera strictement rien au niveau de la thermodynamique non plus. Les coins ne comptent absolument pas. Je peux enlever ceci sans aucun problème. D'ailleurs, on va le miner. Ça sert à rien. Libellule. Voudrais-tu me. Viens me faire ça, ma chérie, d'abord. Pas la peine de rester dans le noir pour rien. Et on commence à monter. Notre petit maker, il monte bien. Il est à 20,04. C'est parfait. Après, tu vas me lancer une petite production, mon cher ami. Tu vas me lancer, je l'ai préparé. J'ai besoin de me faire du Trumbo. Et oui. Ensuite, on va ici laisser ouvert et on va autoriser mademoiselle. On va copier ceci et on va le coller. Et je veux que celui-ci soit pour libellule.
Voilà, c'est Libellule qui va s'en occuper s'il n'a rien d'autre à faire. Voilà, il voit plus clair les gens. Alors 50% c'est bien. Bon, on a encore un peu de boulot, hein, mais... On va venir, hein. Par contre, il va falloir aussi aller me chercher tout ça, les enfants. Alors, maintenant que je creuse ici, on augmente un peu nos chances aussi d'avoir des nuisances, des infestations de ce coin, dans ce coin-là. Et donc, il faut faire un petit peu attention quand même. Et donc, on va après, dès que j'ai terminé ce truc-là. Ok, t'as déjà fini ça, toi, mon gars. Alors, le mortier, le raffinage. Je crois que je vais me prendre le raffinage. On pourrait faire le cacao aussi. Il n'est pas mal non plus. Et il fonctionne dans des terrains non... regardez, si je viens ici... Bon, on ne peut pas le voir, si... Cacaoyer. Le cacaoyer n'a besoin que 50% pour faire son chocolat. Mais, et il dure très longtemps, 144 jours, mais il faut quand même 16 jours de croissance. Et donc, il va falloir à peu près compter donc, 16 et 8, 24. 24 plus 2, ça fait à peu près 50 jours. Donc bon, on va l'oublier, quoi, on va pas faire ça, hein, c'est pas... J'en ai pas vraiment le besoin. Alors, par contre, on a récupéré du psychite. Donc ça, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ceci. Pourquoi ? Parce que nous avons été nous chercher... Nous avons des feuilles de psychoïdes qui peuvent nous permettre de faire quoi, ça, au fait ? Les psychoïdes. Le psychoïde. Le psychoïde. Bon, on verra bien. Est-ce que c'est pas le thé plutôt qu'il faut faire le psychoïde, c'est pas le thé pécoa ou pourquoi plus quelque chose comme ça. Ça c'est quoi? Le thé vient d'où? Comment je le fais? Il me le dit pas. On va faire le thé psychoé. On va d'abord faire ça, puis on verra bien. On vérifie maintenant également ceci. 83, ok, on peut tout balancer. On récolte. Et ici, qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? Du cactus. Bon, on peut faire ça direct comme ça, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres bidules qui vont disparaître de ce temps-ci? Ça m'a l'air bon. Pour une fois. Ici. Oh, un copain. Grizzly, tu dors. Ah ouais, dur, hein, de le toucher. Très difficile. Ça va être très difficile de le toucher. Ah, t'as quand même réussi, ma belle. Ah, au fait, t'en es où avec ton opération, toi? Ah, qu'il est bête. Je ne lui ai pas encore mis sa colonne vertébrale.
Alors, percepteur, j'ai pas assez de sous pour faire ça. Quand je dis. Ah, on a un petit pépin d'électricité. Pourquoi ai-je un petit pépin d'électricité? Parce que mes batteries sont vides. Alors, pourquoi est-ce que mes batteries sont vides? Ça, c'est un zéro, et ça fonctionne. Ça devrait redémarrer. Ouais, je suppose. Ben, ça n'a pas l'air. Si, 700. Ouais, c'est reparti. Y a un problème, hein. Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai ajouté qui me consomme tant que ça? On va couper 700 watts. Voilà. Maintenant, automatiquement, avec cette production, il y a quelque chose qui a été coupé dans cette histoire. Toi, tu tournes. Je ne fais que plus de 347 watts. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi tout d'un coup j'ai ce problème-là? Regarde ça, il y a les trois quarts des bidules qui ne marchent plus. Mais enfin. Ok. Et vous êtes à fond, vous autres, en plus. Avec cette production 347 watts. J'ai pas plus que d'habitude. Là, par contre, j'ai un problème. Un ciel ouvert 2. Ah ouais, d'accord. 2, 4. Donc, il faut que j'en reconstruise un. Une copie. Ici. Ok. Les libellules, tu viens t'en occuper. Ok, même âme. Est-ce que si le jus est revenu? Non, pas encore. Si, là, voilà, maintenant je suis à 4000. Que s'est-il passé? Bonne question. Bon, est-ce que Sky est guéri? Sky est guéri. Alors, vous allez m'excuser un petit peu, on va retravailler le travail de Sky maintenant, puisqu'elle est redevenue une personne compétente. Sky a actuellement rendement avec les animaux, non. Risque d'intoxication, on oublie. Alors, chance de réussir la construction, 100%. Donc, elle peut le faire. Ensuite, le rendement minier, 100% aussi. Par contre, la récolte, non, et l'efficacité, là, non plus. Donc, mademoiselle, je vous ajoute Sky dans. Je vous ajoute dans. Construction. Vous avez le droit de me faire des structures. Vous avez le droit de réparer. Et vous avez le droit de réparer les bâtiments. Fermier, vous ne pouvez pas. Et j'ai dit qu'il y avait autre chose qui était bien avec elle. Je pense que c'était. Je pense que c'était quoi? Sky. Réussir la construction. Le rendement minier, oui.
Sky, t'es en 5 en minier, ok, c'est bon, c'est parti. Et pour moi, c'est parfait. Ok, continue. Alors, impatient temps, vache ma chérie. Viens soigner notre ami Libellule. Viens lui mettre une colonne vertébrale. S'il te plaît. S'il vous plaît bien. Alors, une petite chose qu'il faut vite faire tout de suite ici, avant que ça me tombe sur le nez, bien entendu. Nous allons commencer à mettre déjà la lampe, comme ça je vois où on en est. Alors, c'est dans mobilier, la lampe. Alors, elle va venir ici. Et donc, on va la placer. Ça, je verrai clair. Voilà, clac. Ensuite, c'est... Vous devez faire le petit cheval, hein, comme aux échecs. Et donc, on va positionner de la même manière qu'ici. Voilà, à gauche. Donc, 1, 2, gauche. 1, 2, à droite. OK. Il me faut des colonnes. Avant que ça ne pète. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Ensuite, une lumière qui va être mise en 1, 2, hop. Et celle-ci qui va être déplacée en 1, 2, hop. Voilà. Normalement, ça, c'est bon. Ouais. Ça me semble parfait. Libellule, c'est à toi, ma chérie. Ah, c'est climatiseur. Donc, on va prendre des caires. Vache. Non. Sky. Sky. Ça, d'abord. Priorise.